Hey, c'est la rentrée et avec elle son lot de bonnes résolutions. Et si vous décidiez de prendre les choses en main? Vous êtes en deuil? Vous avez vécu un deuil qui n'est pas terminé? Vous avez des réminiscences de quelque chose d'ancien? Vous avez peut-être vécu quelque chose dans votre vie qui est difficile, qui n'est pas digéré. Des conflits, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, un déménagement forcé ou que sais-je. Quelque chose en tout cas qui ressemble de près ou de loin à une perte qui vous affecte beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut sortir de la souffrance. On peut en sortir totalement. Certains vous diront qu'on ne se remet jamais totalement d'un deuil, surtout si c'est un enfant que l'on a perdu, qu'il n'y a rien de plus terrible pour un parent. Certes, c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Mais cela m'est arrivé, et je peux vous garantir que l'on peut sortir totalement de la souffrance. C'est parce que cela m'est arrivé qu'il me tient à cœur aujourd'hui de vous partager le fruit de mon travail et de mes découvertes à ce sujet. Je suis très heureuse de vous convier aux ateliers que j'ai créés et conçus de manière à sortir de la souffrance, mais aussi à trouver ce que l'on nomme le chemin de l'éveil, le chemin de l'éveil de la conscience, un éveil spirituel qui vous permet de prendre conscience de qui vous êtes réellement et de ce que vous faites sur cette terre. Quel est le but de l'existence? Pourquoi traversons-nous des périodes aussi difficiles? Et justement, comment faire pour ne plus souffrir? J'ai aussi mis au point une formation dédiée aux personnes qui souhaitent devenir des accompagnants spirituels du deuil. Cette formation, dans un premier temps, est axée sur la résolution de ses propres difficultés, de ses propres deuils. Et ensuite, nous voyons par toute une méthodologie appropriée comment aider les autres, comment les accompagner. Que ce soit par l'atelier ou par la formation, nous allons explorer nos perceptions sensorielles et extrasensorielles. Je vous apprendrai à entendre ce qui ne s'entend pas, à voir ce qui ne se voit pas, à toucher ce qui ne se sent pas, à aller au-delà de vos limitations, à aller au-delà de vos croyances et à explorer tout votre être profond et à vous sentir relié à ce un, à cette source d'où nous provenons tous. J'organise régulièrement des séances d'information. Et si les dates ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours me contacter pour un rendez-vous individuel afin que nous discutions de ce qui est le plus approprié pour vous. Je vous attends. Merci et à bientôt.